Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Je suis Raïssa, je suis avec mon petit Hervé et nous sommes à Bemao. Alors je pense que vous devez reconnaître un petit côté de Bemao qui bouge énormément. C'est le côté industriel, la ville de Jarry. Et oui, Jarry, c'est très animé en général, mais je vous avouerai que là, j'ai pas forcément beaucoup de temps à vous accorder car j'ai faim. Donc avec Hervé, on va aller se chercher un petit resto. T'as faim toi aussi mon petit Hervé hein? Allez, on va aller chercher un petit resto, on va voir ce que l'on trouve. Ah mais je crois que j'ai trouvé quelque chose. En plus j'entends de la musique. Non mais je vais aller voir. Vous savez que j'aime bien aller voir moi les choses. Ah il y a quelqu'un et tout. Mais c'est un resto. Bonjour. Vous cherchez le Graal ou le sens profond de votre existence? Ouh là 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 là. Alors attendez. Café philosophie, je comprends pourquoi. Alors j'entends de la musique mais c'est un restaurant, on peut déjeuner? Non. On ne fait que des récitals opéra et musique classique, et vous tombez bien, je crois pas au hasard, et là on a un petit prodige, futur grand pianiste en Guadeloupe, sa passion c'est Debussy. C'est vrai? Ouais, et il se produit samedi au Café Philo. D'accord. Et au mois donc de juin, ici. On y réserve un concert. D'accord. Sa passion, c'est Debussy et Khatchaturian, deux des compositeurs les plus difficiles à jouer. D'accord. Le môme, il a 14 ans, pardon. C'est un 14 grand... piges, vous avez compris. C'est une bombe. Vous l'entendez là? Vous mais oui, mais justement, on l'entend depuis l'extérieur et tout. Donc, allez, on peut. Allez, on va y aller. Super. Mais je pense qu'on va pas manger les enfants, en fait. Alors, je suis en compagnie de Grégory qui a un accent magnifique. Bonjour Grégory. Bonjour. D'où vient cet accent? Cet accent vient de Pologne, je suis polonais d'origine. D'accord, super. Bah, écoutez, enchanté. Alors, du coup, vous êtes. Vous faites quoi? Voilà, dites-moi ce que vous faites. Voilà, je suis un professeur de piano. J'ai mon Institut Chopin qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Alors, j'ai entendu, mais vu de fait comme ça, qu'on vous surnommait la fabrique à talents. Parce qu'effectivement, apparemment, vous formez des prodiges, en fait. Est-ce qu'en Guadeloupe, puisque vous avez eu l'occasion peut-être d'enseigner ailleurs? C'est pas une fabrique, talent, ça ne se fabrique pas. Ouais. Donc, talent, comme disait un grand pianiste des siècles passés, c'est en fait 1% des talents, 4% des chances et 95% des travail. Donc si on va réunir tout ça, on obtient un prodige. D'accord, mais c'est super. Et j'aurais une question. Selon vous, quelle serait la place du classique en Guadeloupe? Place des classiques en Guadeloupe. Bon, les gens, ils aiment les classiques aussi ici en Guadeloupe. Comme vous allez voir d'ici un jour, il y a le festival de Chevalier Saint-Georges qui commence et les salles seront pleines. Donc, par contre, il n'y a pas assez de concerts classiques en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très bientôt, peut-être devant un piano. Bien sûr. À bientôt. Merci. Alors, nous sommes en compagnie d'un prodige, un jeune prodige. Bonjour, Mathis. Bonjour. Alors, Mathis, quel âge as-tu? J'ai 14 ans. D'accord. Depuis combien de temps joues-tu au piano? Depuis l'âge de 6 ans. 6 ans, c'est un peu tard, 6 ans, non? Quand même, ouais. Non, mais c'est tard, non, mais vraiment? Oui. D'accord, en général, effectivement, on commence plus tôt? Oui, vers 4-5 ans. Et pourquoi tu as commencé le piano? Tout début, j'ai regardé un film avec mes parents, Amadeus Mozart, et je me suis dit, faut que je me lance, faut que j'essaye. Du coup, j'avais un ami qui m'a présenté M. Baird, et ça a tout de suite collé, ouais. Et après, on s'est lancé direct. Et tes parents sont musiciens? Non. Du tout? Non, pas du tout. Ah non, du tout, quoi. Ouais. Il n'y a que moi. Il n'y a que toi? Ouais. Ok, et donc en fait, comment tu te vois en fait dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne sais pas trop encore, mais j'aimerais bien me lancer, si je peux, dans une carrière professionnelle dans le piano justement, mm-hmm. ou autre, je ne sais pas encore. Est-ce que tu as des projets pour cette année? Oui, justement, en juillet, je vais partir à Paris pour un concours au conservatoire. Et j'aimerais bien déjà être qualifiée, ouais, ce serait super. Et pour aller en finale et essayer de décrocher un prix. Ok. Et est-ce que tu penses que tu pourrais m'apprendre quelques notes de piano?
Si tu veux, pas de problème. Ouais. Bon, ben alors moi, je vais étudier avec Mathis et pourquoi pas devenir moi aussi un petit génie comme Mozart. Qui sait. Mais merci beaucoup, Mathis. Mais merci à toi. Et à très bientôt. En fait, je crois que je me suis fait avoir. C'est bon, ils ont compris ce qui se passait. Bon, c'est pas grave. Merci Mathis. En tout cas, ETV en commune, c'est terminé. On remercie Mathis, qui a été super, notre prodige de 14 ans, qui part en concours en métropole à Paris exactement. Notre futur champion, moi je vous le dis, puisque vraiment, super, au top. On remercie également donc Grégory Berthe. La baraque catalan, comme on dit. Même s'il n'aime pas, mais en tout cas, un enseignant, un prof de piano exceptionnel. Et on remercie également Farid. Farid et le Café Philosophique. Et moi, je vous remercie également de nous suivre tous les soirs comme cela. Et mon petit Hervé, je suis sûre qu'il est pareil, il est très reconnaissant. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission ETV en commune très bientôt, dans la joie, la bonne humeur et le sourire. Bye bye!